le Seigneur vous bénisse. En fait, je ne sais pas trop par où commencer. Je voudrais d'abord vous remercier et remercier le Seigneur pour vos prières, parce que j'étais vraiment pas bien. Le pollen me dérangeait vraiment, j'étais devenue trop faible. Et la nuit, quand il fallait dormir, je n'arrivais pas à dormir parce que je n'arrivais pas à respirer. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Maintenant, je me sens vraiment comme si j'étais toute nouvelle. Je peux dormir tranquillement. Amen. Et la deuxième chose, c'est que ça fait... Donc, depuis que j'avais déposé la prière, la requête, pardon, je me sentais toujours mal le mardi, le jeudi aussi. Et la sœur Déborah, elle m'avait dit, mais va dans la salle pour qu'on prie pour toi. J'ai dit non. Je ne vais pas aller dans la salle, on a prié pour moi. Pourquoi je dois encore retourner pour qu'on prie pour moi? Et je disais dans mon cœur, Seigneur, je voudrais aussi expérimenter cette foi où je suis guérie, j'accepte que je suis guérie, je suis guérie. Je n'ai pas envie de tout le temps retourner pour qu'on prie pour moi alors que je crois qu'on m'a guéri, que tu m'as guérie. Du coup, c'est passé. Et toute la semaine, je prie, je disais, Seigneur, c'est quelle foi que je dois avoir alors pour être guérie? Je voudrais expérimenter vraiment cette foi-là dont tu parles dans ta parole. Et on est arrivé à samedi, ça me tournait toujours dans le cœur. Et samedi, comme si c'était pas assez, maman, elle m'a achevé. Oui, toi, tu n'as pas la foi, on prie pour toi, tu n'as pas la foi. Faut pas me dire que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Alors ça m'a fait mal quand je lui ai rien dit par rapport à ce que, au fait que je priais pour ça depuis toute la semaine. Et je suis montée dans ma chambre, je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, même maman, elle dit que j'ai pas la foi, et c'est la deuxième personne après toi qui me connaît le mieux. Si elle a dit que j'ai pas la foi, c'est que j'ai vraiment pas la foi. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire, c'est quelle foi que je dois avoir. J'ai fini de prier, je me suis endormie. Quand, donc, j'ai aussi prié, j'ai dit, Seigneur, que ce dimanche soit vraiment un jour particulier, que tu puisses vraiment descendre, que tu puisses continuer à nous parler davantage comme tu le fais, et que ce soit un jour spécial, qu'on puisse pas retourner comme on est venu. Quand on est venu, on a chanté. Pendant qu'on chantait à la chorale, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la foi, s'il te plaît. J'aimerais avoir vraiment cette foi-là. Même si là, je suis guérie, mais j'aimerais expérimenter cette foi. C'est quelle foi dont tu parles? Quand on a prié après le psaume, j'ai encore prié. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment avoir cette foi. Et je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses nous toucher chacun individuellement, qu'on puisse vraiment repartir comme des hommes nouveaux, des hommes changés. Alors qu'on a dit Amen, la prédication a commencé, on a lu dans Ésaü. Et puis, le frère Léonard a commencé à parler de la foi. Alors moi, j'ai dit oui, c'est parce qu'il parlait par rapport à Ésaü. Et puis, il est resté sur la foi. Après, il dit, mais je ne sais pas pourquoi je reste sur la foi. Et moi, dans mon cœur, j'étais là, merci Seigneur, c'est pour moi, il faut continuer, mon frère. Et il a continué sur la foi. Après, il a dit... quelque chose qui m'a vraiment touchée, il a dit, ce n'est pas une autre foi, c'est la même foi que les apôtres avaient, et c'est ça la foi, on doit juste croire. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, je pense que j'ai compris, maintenant je l'accepte. Et du coup, quand on a commencé à chanter, à prier après, j'ai prié quand on a fini de la prédication, j'ai prié après, je me suis arrêtée, j'étais là, j'ai dit Amen. Et en une fois, on dirait qu'il y a... je sais pas, quelqu'un est venu et m'a touché le cœur, mais c'est comme si on était en train de le toucher vraiment, et j'étais en train de pleurer. J'étais vraiment brisant moi-même. Je remerciais le Seigneur parce que quand je pleurais, il me faisait voir et dit, tu as prié pour la foi toute la semaine, je t'ai parlé. Tu as demandé à ce que je puisse vous toucher individuellement. Voici, je suis là. Et je me sentais, j'avais mal. Je disais, Seigneur, pardonne mon incrédulité parce que je ne me suis même pas rendu compte. Et je le remercie pour ça. Merci Jésus, Amen. Merci Jésus, Amen.